Eh bien salut à toutes et à toutes, c'est Xa, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon ressource pack coup de cœur numéro 3 mine de rien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le Hot Dog Craft, alors un pack de textures vieux comme le monde, pas du tout, non, vieux comme les UHC plus précisément. C'est une sorte de PVP, de pack de textures PVP UHC, surtout UHC on va dire, mais UHC old school, voilà, les UHC d'il y a l'ancien temps, enfin bref voilà. Donc tout d'abord, je l'utilisais au tout début de mes UHC, hein, voilà, donc tout d'abord, un grand merci à vous, car l'épisode 2, voilà, de cette série, vous a énormément plu, pareil pour le premier, enfin bref, c'est la folie cette série, mais bref, voilà, en tout cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce vert, hein, bien évidemment, pour ce Hot Dog Craft qui est génial, moi, je trouve. Donc voilà, donc bon, déjà, qu'est-ce qu'il dit, enfin, qu'est-ce que ça fait, voilà, qu'il est ancien, c'est simplement les bandes, voilà, vous savez, il y a un contour, en général, sur les minerais, qu'il n'y a pas ici, et l'inventaire transparent, qu'il n'y ait pas non plus, donc voilà, donc bon, après vous pouvez le changer, certes, mais moi je préfère le garder, ça rend quand même bien et ça donne tout son charme, et voilà. Hop, donc du coup, on va passer donc aux épées, hop, je vais vous faire voir, donc oui, donc vite fait, bon, les minerais, hein, bon, minerais, voilà, émeraude, redstone, là-haut, diamant et or, enfin, iron. Voilà, donc pour les épées, donc c'est vraiment une sorte d'épée que j'adore. J'hésitais en fait à le reprendre, donc comme vous savez, j'ai modifié le matox, hein, n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir mon top 5 des ressources pack, hein, voilà, bon, que j'avais dans cette liste immense. Voilà. Donc j'hésitais à reprendre ce style d'épée ou reprendre l'autre, hein, voilà, celui que j'ai pris final. Et au final c'est vraiment un style d'épée que j'adore. Donc vous allez voir, bon voilà, vous voyez, hein, la Wooden Sword très très jolie, la Golden Sword très très jolie, la Stone Sword vraiment magnifique. Et enfin les deux préférés, voilà, l'Iron Sword et la Diamond Sword qui sont vraiment, je trouve, magnifiques, c'est vraiment super. Donc voilà, donc vraiment des gros coups de cœur à partir de ça. Et également un autre coup de cœur, et ça je sais pas, voilà, bon, peut-être que des gens le savaient, peut-être que des gens ont déjà testé ce pack, mais vraiment, regardez Stark. Bon, avec le, bien évidemment, le système, donc encore, hein, du rouge, rouge-jaune-vert, oui, voilà, rouge-jaune-vert pour tirer. Mais surtout aussi, bon, voilà, il y a aussi ce critique qui est magnifique, mais aussi, vous voyez, c'est un arc à deux. Oh merde, bon bah c'est pas grave, ça prend encore un décor cassé. Donc ça fait en fait un arc à deux cornes. Et ça, moi je trouve vraiment ça super. Bon, la canne à pêche, voilà, bon, rien de particulier, c'est une canne à pêche normale. Entre guillemets, l'underpearl, bon, un petit peu animé. Il y a 2-3 trucs animés aussi dans ce pack de texture. Donc voilà. Également, vite fait, je vais mettre en game mode 0. Donc vous voyez, Call of Fire, voilà, tout simplement. Hop, hop, oh, d'accord, on est carrément allé sous l'eau. Du coup voilà, hop, je vais jeter ça là-bas, très bien. Du coup également, je vais vous faire voir, oui, donc les particules, bon, les particules de potions de santé, voilà, qui sont comme ça. Et puis voilà, je vais garder quand même cette petite épée parce que je l'aime bien. Oui, donc également, bon, les pommes, bon, après vous voyez un petit peu la nourriture. Les Golden Apple qui sont comme ça, Golden Apple normal et la Golden Apple, pomme de notch, donc voilà. Donc franchement, c'est vraiment des pommes que j'adore et que je trouve très très jolies. Voilà, tout simplement, hop, du coup, on va acheter ça là-dedans. Voilà, tout simplement, hop, on va, non, attendez, on va reprendre finalement l'épée. On va reprendre quand même l'épée, voilà, hop, et on met ça là. Ok, donc du coup, voilà, bon, pour l'armure en cuir, l'armure en or, l'armure en maille, bon, qui change pas souvent, à part un petit dégradé, là, enfin, le petit contour. Pareil pour l'armure en fer, donc c'est une armure en fer assez basique, je crois. Hop, on va se mettre devant, mais voilà, avec toujours ce petit contour que j'adore. Et pareil pour l'armure en diams, c'est l'armure en diams, magnifique vraiment, que je trouve vraiment super belle. Qu'est-ce qu'il y a là-bas déjà? D'accord, bon, il y a un petit système nul. Au final, ça ne marche même plus. D'ailleurs, je sais plus. On s'en bat les couilles, allez, c'est parti. Oui, également, bah, je vais vous faire voir les coups critiques. Alors oui, c'est vrai que j'ai cassé le bouton, donc c'est vraiment pas pratique. On va prendre, faudra que je recharge la map un jour. Et vous inquiétez pas, nous avons le temps. Hop. Du coup, on va mettre un villageois, donc les coups de sharpness normal, hein, voilà, avec des particules bleues. Les coups de sharpness plus critique, voilà, donc les mêmes critiques que l'arc, tout simplement. Voilà, donc on va aller dehors maintenant, youhou, voilà. Alors, la nuit, voilà, c'est vraiment magnifique, hein, bien sûr, et la journée. Un ciel beau, comme, voilà, un ciel beau.
Hop, du coup, voilà. Hop, on va juste faire remettre la journée. Hop, et on va aller sur l'île là-bas afin de voir vite fait. Alors, c'est vrai que j'aimerais bien être en 1.9. Comme ça, moi, je peux faire. Oui, avec le Delta Plan. Enfin, pas le Delta Plan, mais vous m'avez compris. L'Elytra, je crois que ça s'appelle. Voilà, c'est exactement ça. Bref. Donc, voilà. Donc, voilà qu'est-ce que ça rend après un petit peu bon, dans le monde normal. Bon, là, t'as mon chante. Voilà, bref, on s'en fout là. Je sais pas ce qui s'est passé ici. Je vous avoue que. Ah d'accord, non apparemment c'est juste un mode de check, très bien. D'accord, nickel, on va recharger. Bon, apparemment c'est pas un mode de check. Bon, j'en sais rien, c'est meilleur, hein, voilà, on se casse. Donc vous voyez, voilà, après bon, un peu qu'est-ce que ça rend dans la nature normale, voilà, bon, la nature normale, mais quand même, enfin. Donc c'est le feu. Alors franchement, j'adore ce pack de texture, hein, bon, pour hein, comme je vous ai dit, les épées, l'arc, voilà, c'est vraiment un pack que j'aime vraiment bien. Alors plus qu'un ressource pack, hein, vraiment, coup de cœur de cette semaine, c'est un ressource pack coup de cœur en fait de tout le temps, parce que franchement, je le trouve vraiment trop bien. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert si cette vidéo t'a plu. Le lien de téléchargement, pareil, est dans la description. Moi, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous fais des bisous. Et puis, bah, bye bye tout le monde. Et à très bientôt.